Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu gratuit qui s'appelle un apparently normal room. Donc, j'ai un accent anglais magnifique. Donc, le jeu a été fait par Anofink. Et donc, il est gratuit, comme je l'ai dit, et il est aussi en anglais. Donc, je ferai de mon mieux pour traduire ce que je peux comprendre parce que je me débrouille en anglais, enfin, j'espère. Mais je suis pas bilingue, donc je ferai de mon mieux. Donc le jeu est sorti le 20 janvier 2014, donc ça fait plus d'un an. Donc on va commencer tout de suite. Ok, donc il nous demande de nous réveiller. Donc j'ai pas expliqué le principe du jeu. Donc en fait on est un genre de cobaye. En fait ils vont nous j'ai bugué. Ils vont nous regarder par les caméras, voilà, c'est plus ça. Please press the Et en button. fait on va devoir faire des choix. Et selon nos choix, on va voir des trucs. Ok, donc on doit presser le bouton. Welcome. We are very grateful that you have accepted our request. We are nervous because you are our first subject, but don't worry, everything will work properly just as the plan. Don't ask why you were unconscious and showed up in this room. It's part of the plan. First, say hello. Ok, donc il nous a dit que on était arrivé ici, que c'était normal. Enfin, c'est après en résumé. Donc il a dit de dire bonjour, donc on dit Hello. bonjour. Thank you. I'm glad you can understand me. Let's start with a test. Tell me what number you see on the wall. Ok, donc il nous demande quel chiffre on voit sur le mur. Donc, un 7. Seven. Thank you. With that, we have made sure that your vision works perfectly. Let's try now with your memory. What's your name? Ok, donc maintenant il veut tester notre mémoire. Donc, il nous demande notre prénom. On va dire un nom au hasard. Ken. Ken. That's not your name, but you tried. C'est Better pas luck notre next nom, mais time. on a Now essayé. it's the time to initiate the experiment. L'expérience. The experiments? Yes, the experiment. The big but small experiment. Our first one room experiment. Please, take a seat. This will be a long explanation. Oula. Donc il demande de nous asseoir pour This is not our pouvoir first écouter ce qu'il a à experiment. dire. We've done a lot. The last was an unnamed one. It was about strange quarters and some interesting decisions. It was fun. But this one is special. They all have in common one thing. They all study your reactions and decisions. In this one, you will be locked in a single white room, but stuff is going to happen and we will observe you. Don't worry if you don't see any monitor or camera, they are all hidden. You can do whatever you want. No prohibitions. Do you have any question? Voilà, donc comme je l'ai dit, en fait, il vient de nous dire qu'on était dans la pièce, enfermés, et qu'en fait, ils allaient nous regarder pour voir nos choix et nos réactions. Donc, on va demander si on rêve. Am I dreaming? Do you want to check it? Donc il nous demande si on veut tester son rêve. Je pense pas que ce soit une bonne idée, donc je l'ai No, thanks. refusé. Are you sure? Okay then. Thank you for your choice. Ok, Please wake 5 ans up. plus tard. It's lunch time. Donc il nous demande de nous réveiller encore une fois. Donc là on est 5 ans plus tard dans la même pièce. Et ben. On a le choix entre manger de la pomme ou pas. Je sais pas, en fait, j'ai peur qu'elle nous empoisonne. Ouais.
Mais je vais la manger quand même. Bon, allez, on la mange. I'm glad you are hungry. I hope you like that. Do you like TV? Do Ok, you remember apparemment what c'est is bon, a ça fait TV? rien. Ok, donc il nous demande si on aime la télé et si on se rappelle de ce que c'est. Pourquoi j'ai pas de chiffres sur l'écran? Choose whatever Ok. you want to. Donc il nous demande ce qu'on veut regarder. Donc les news, les dessins animés ou la chaîne horreur. Je vais partir sur les dessins animés. Let's watch some Ok. cartoons then. Oh. C'est gore pour un dessin animé, ça. Okay, that's enough TV for today. You know what? Let's play a game. Okay. And now the gravity is fucked up. Hope you're doing fine up there. Here, have a rope. Ok, donc il a dit qu'on allait jouer à un jeu, mais voilà. Ok, il y a un bâton là. J'ai entendu gravité, mais je sais pas quoi faire en fait. Sorry about that. Ok, There has on est to be tombé. some kind of problem with the system. We will fix that. Meanwhile, eat this pizza. You must be hungry. Ok, donc il a dit qu'il doit y avoir un problème avec la avec le système et qu'ils allaient réparer ça et que pendant ce temps on devait manger la pizza parce qu'on va avoir faim. Je crois qu'on n'a pas le choix en fait, donc on va la manger. That's a good pizza right there. There's no more food for you today. This is not a restaurant. Wanna take a nap? Let me load the nap room. Ok, donc. Wait, what? Oh. This is not the nap room. Let me reload. What the hell is going on? Let me reload again. Okay, this Oh, is oula. creepy. One last Non, time. non, non. On a dit c'est pas un jeu d'horreur. Finally, the On nap a dit c'est room. pas un jeu d'horreur. Well, here you go. Putain. Donc, il veut qu'on fasse une sieste. Donc, on va faire une sieste. Let's put some relaxing music. Ça y est, j'ai peur maintenant. Donc, le lendemain. Hello again. Do you remember what day is today? Of course not. You don't remember anything. Where are you? Who are you? Who am I? You have even forgotten how to speak. Well, today is your birthday. Can you believe it? Of course you believe it. And of course, here comes the happy music and the cake. Why are you not smiling? Smile. Donc il veut qu'on fasse un sourire. Oh my god. You actually smiled. That means a lot for the experiment. We finally have a happy subject. Do you want to know your present? Donc il nous demande si on veut savoir c'est quoi notre cadeau. Franchement j'ai peur maintenant. Depuis que j'ai vu la tête de la femme là dans la pièce, j'ai peur maintenant. On va dire oui quand même. Your present is the freedom. I know it's going to be difficult, but your time has come and now you're free from the experiment. Enjoy your life. Donc il a dit, notre cadeau c'est la liberté. Oula. Did you really think you were free? That doesn't even make sense. Nothing really has sense. You fucking stay with us. You Okay. son of a bitch.
That son of a bitch thought he was free. That son of a bitch thought it was his birthday. That son of a bitch thought we cared about him. You're dying alone and you know it. So, let's continue the experiment. Wanna play a game? C'est tout? Ok, donc franchement, je m'attendais pas à un jeu aussi court. Je m'attendais peut-être à 30 minutes. Là, je pense qu'on est à un quart d'heure. Donc, c'est la moitié de ce que je pensais. Enfin, bref. Donc, à la fin, il nous a dit que c'était pas notre anniversaire et que notre liberté n'était pas réelle. En fait, c'était une grosse blague. Et aussi, il nous a insulté très méchamment. C'était pas sympa, mais bon. Donc, si jamais vous voulez jouer au jeu, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour voir si peut-être le jeu est différent selon nos choix. Franchement, je pense pas que le jeu soit vraiment différent. Peut-être que c'est un peu plus long, mais je pense pas vraiment que l'histoire change beaucoup. Enfin, bref. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime, un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne et aussi me suivre sur Twitter, ça fait beaucoup, oui. Mais bon, donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.